on est parti sur des chevaliers. Alors, ils vont partir en colonie avec tous les guerres, tous les groupes de guerre, et ils partent en route. En fait, un lac de décantation, c'est où les l'eau, on met l'eau comme en salé. Et si par malheur le lac de décantation se vide, toutes les cultures mourront. Le lendemain matin, ils voient une personne blessée avec une flèche dans le corps. On devait les dessiner et écrire un dessin. Chacun irait positionné pendant une heure sur sa proie. Et regarde, ils se cachent derrière les arbres. Bah, ça, c'est un phénomène. On les a trouvés sur l'ordinateur et on les a trouvés dans un palmier du désert. Au niveau de la maltraitance des animaux, en gros, bah, tout ce qui est là, déforestation, ce qui peut faire en mal envers la nature et tout ça. Papa, un puits avec un seau. Ouais, voilà. Et une corde pour monter l'eau. Est-ce qu'il y en a partout de l'eau? Non, que dans le puits. Et dans le désert, il y en a partout? Oui, dans les nappes souterraines, il y en a partout. Et pourquoi il y a des palmiers? Pour avoir de l'eau. Et ça va jusqu'à là et ça fait au même niveau. On met de l'eau dans le tuyau, ils sont de la même hauteur. On regarde si c'est bien la même chose. Non, qu'est-ce qu'on fait? On va sous la vague, petit par petit, et l'eau elle bouge pas. On prend des bouts de bois, des 4 pieds de bouts de bois, on les colle dans des trous. Après, on met des trous noirs et on place des arceaux. Après on verse. Tout ça dans la bouteille. On secoue la bouteille pour que les billes remontent à la surface. Et on a réussi quand même à en faire monter une. On nous donne les petites pétales. Il y a des à la plage, et puis on avait fait des photos de camouflage, et puis on a pris une blouse pour mettre du sable dessus avec de la colle, et puis on l'a mis, et puis on s'est roulé par terre avec, on a pris des photos avec. On a fait simplement deux coups, donc la classe est coupée en gros. Ouais, je suis pas mal. Le désert, il n'y a pas un encombre, c'était normal. Mais une fois que la région s'est transformée en désert, il y a un peu tous après le sec. Alors, si vous voulez plus de l'animal, je peux vous le redire. Alors ensuite, il y a des animaux. Et là, ici, on a des animaux qui ne transpirent pas. D'accord? Non. Alors, le fennec, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme adaptation? Soit on a 4 à trouver. C'est qui le fennec? Le fennec, c'est le renard. Il transpire pas, tu penses, sur un kangourou? Pourquoi pas? Est-ce qu'il en reste des étiquettes? Il transpire pas.